personnes, c'était. Bon, salut la gang. Ça faisait longtemps qu'à ma chalet, cette petite maison-là, je la voyais du bord du chemin. Tu vois qu'elle est vieille, qu'elle n'est pas habitée. Mais le toit, il est beau. Ça réveille des soupçons que quelqu'un entretient ce petit bâtiment. J'ai fait un tour vite. Quand j'ai vu les plafonds qui étaient entretenus aussi, ça m'a pas donné le goût de rester trop longtemps parce que quelqu'un entretient cette petite maison-là qui doit dater des années 1800, tant qu'à moi, là, tellement que c'est vieux. Regardez le plafond, regardez le plancher. C'est pas gros, hein? Dans le temps, pas grand espace. Le besoin n'était pas là. Une belle vieille table, écoute, c'est super. L'électricité a déjà rentré, fait que quelqu'un a habité dans ce petit bâtiment. Pour X nombre d'années, mais pas de laine isolante, ça n'a pas dû être trop chaud. On peut regarder le toit, il a été complètement refait. D'après moi, le vent ou le temps en est venu à bout. Ils ont refait un toit pour la préserver. Bravo pour ça, j'aime ça voir ça. Ils ont gardé son aspect vieillot par l'extérieur. Des petites photos, j'en prends tout le temps des petites photos. Puis j'ai trouvé un trésor caché à gauche dans la caisse de lait qu'il y a là. Je vous laisse avec les images. Non, je n'ai rien rapporté. Mon but, c'était pas de rapporter le trésor aujourd'hui. Trésor de bouteilles. C'est fou, hein? Mais on va faire le tour, là. On va faire le tour.
ça, c'est pas... C'est pas une maison abandonnée, c'est une vieille maison sur un... sur un terrain qui appartient à quelqu'un. C'est un beau terrain. Écoute, ça appartient à quelqu'un. Fait qu'on restera pas ici, on va s'en aller. GoPro, stop recording.